We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good morning. Let's try this again. Thank you for joining us today at the main session on economic and social inclusion and human rights. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pendant cette session au sujet de l'inclusion socio-économique. Je suis membre du groupe de conseil MAG et vice-présidente de la coalition dynamique pour la durabilité du journalisme et des médias. Je suis très heureuse de pouvoir modérer cette session parce que cette session concerne un sujet très important. 34% de toutes les demandes pour l'organisation des ateliers, c'était des demandes qui concernaient ce sujet, donc l'inclusion socio-économique et des droits de l'homme. C'est une question importante en ce qui concerne la gestion d'Internet. Alors, réfléchissons, comment nous allons approcher ce sujet pendant le sommet IGF? Nous tenons à souligner en particulier les initiatives particulièrement importantes qui ont été entamées pendant la préparation du sommet. Et nous avons avec nous d'excellents intervenants qui ont beaucoup d'expérience et qui vont nous parler de ce qui se passe en ce qui concerne ce sujet. Nous avons Sarah Kiden, qui représente la fondation Mozilla. On a Jess Kropczynski de l'Université de Cincinnati. Il y a Steve Crown et Scott Campbell qui représentent le bureau du commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme. Mais avant de passer la voix aux intervenants qui vont être avec nous par voie hybride, je voulais juste dire quelques mots sur les tendances et sur les dangers, les risques qui sont liés à ces sujets. Je veux aussi parler des stratégies qui peuvent nous aider à affronter ces défis. Je demande à ce que les personnes qui sont ici présentes dans la salle et celles qui nous écoutent en ligne de bien vouloir participer activement à cette session. Dans la salle, il y a un micro. Si quelqu'un veut faire un commentaire ou poser une question, ce sommet est envoyé pour vous et organisé pour vous ici à Katowice. En ligne, j'ai une collègue. Une collègue qui va modérer la discussion sur Internet. Je suis heureuse qu'on puisse parler de manière tellement inclusive aujourd'hui. Avant tout, je vais commencer par tracer les hypothèses, les présupposés de ces discussions. Nous savons que les droits sociaux et politiques deviennent un sujet très important en ce qui concerne la situation présente, aussi dans le contexte de la pandémie du COVID-19. Nous avons de nouvelles possibilités, mais aussi de nouveaux défis socio-économiques liés à la pandémie. Il y a des craintes, comme par exemple l'État va ingérer ou contrôler ceux qui sont sur Internet. Nous allons parler des droits de l'homme, en particulier dans la manière des droits de citoyens, des droits politiques, mais n'oublions pas les droits socio-économiques qui sont aussi importants et qu'il faut protéger aussi. Souvenons-nous que parfois ils sont omis et aujourd'hui j'aimerais les voir de plus près. Nous réfléchissons plutôt de savoir de quelle manière l'État peut influer sur les comportements individuels sur Internet par le biais de différents mécanismes qui peuvent être perçus comme mécanismes de surveillance des citoyens sur Internet. Nous devons donc nous souvenir qu'il est nécessaire de mettre en œuvre des mécanismes de sécurité qui donnent la sécurité aux utilisateurs d'Internet devant de telles actions.
la protection de la vie privée et la protection de la liberté d'expression est aussi très importante. On a souligné souvent le fait que le savoir, les connaissances, c'est une puissance. Et elle est importante pour protéger les droits de l'homme. Nous devons protéger les possibilités d'utilisation des technologies et d'Internet. Nous devons rendre possible l'utilisation des applications qui dissémine les connaissances, le savoir, mais en même temps en veillant que la réglementation soit aider à l'accès à savoir. Avant de passer à la stratégie de gestion, je vais essayer pendant quelques minutes de parler de sujets de base. Et là, j'aimerais demander à chacun de nos intervenants de prendre la parole pour environ 4 minutes. Et je leur demande de bien vouloir nous dire quelles sont les tendances de base qu'ils voient en ce qui concerne l'inclusion socio-économique. Y a-t-il de nouveaux phénomènes que vous remarquez, en particulier du point de vue de vos intérêts, de vos centres d'intérêt? Alors, je vais m'adresser d'abord à Sarah Kiden de la Fondation Mozilla. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis heureuse de pouvoir participer dans cette discussion pendant cette session. En ce qui concerne les tendances, je voudrais dire que ce sont des questions dont nous parlons depuis plus de 3 ans déjà. Je parle des inégalités d'accès au monde numérique. Elles ont toujours existé. Maintenant, avec la pandémie, elles ont été encore plus exacerbé. D'un côté, il y a un groupe de personnes qui avaient réagi très rapidement et qui immédiatement s'était mis sur Internet parce qu'il y a des achats ou du travail. Mais il y avait un autre groupe qui est resté coupé de toutes ces bonnes choses qu'apporte Internet. C'est triste, mais par exemple, en Ouganda, les écoles restent fermées, les enfants ne peuvent pas participer aux cours et ça fait 2 ans qu'ils ne peuvent pas être présents pendant les cours et il n'y a pas de cours sur Internet. Et c'est triste parce que les gens doivent se débrouiller quand même dans de telles conditions. Donc tout ceci avait lieu, mais dans le contexte, on a beaucoup parlé d'autres dangers. Des dangers qui existaient depuis très longtemps, mais depuis quelques temps ont été accentués beaucoup plus. Il y a des programmes innovants ou des gens qui ont accès à Internet qui peuvent bénéficier de jeux, d'applications innovantes ou de solutions virtuelles pour la maison, pour le ménage, souvent d'ailleurs très chers. Donc il y a des gens qui peuvent se permettre des biens de luxe qui valent 4, 5 000, 6 000 dollars. Mais souvenons-nous que ce ne sont pas des biens accessibles à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès aux biens de base. Donc il y a de telles différences. Il y a des pays où l'accès à des services de base Internet est difficile. Donc on ne peut vraiment pas payer d'un développement juste dans le monde si nous avons de telles différences. Évidemment, nous pouvons le changer. Souvenons-nous que la pandémie du coronavirus a rendu la situation un peu plus difficile. Mais nous devons nous souvenir quelles sont les statistiques. Nous devons lancer notre appel pour que ces différences numériques, ce gouffre, soient éliminées. Si nous n'y arrivons pas, malheureusement, les droits de l'homme sont en danger, mais aussi le développement des technologies et d'autres aspects de l'espace numérique. Donc c'est un grand risque. Moi-même, je reste optimiste. Je considère que nous avons aussi l'occasion de réfléchir sur certaines choses, de réfléchir où nous avons fait des fautes et pour qu'on puisse agir mieux dans le futur. Merci beaucoup, Sarah, pour tes remarques. Merci d'avoir introduit cette différenciation entre les deux mondes. D'un côté, les personnes qui peuvent se permettre des biens de luxe et de l'autre côté, les personnes qui ont des problèmes d'accès pour accéder les biens de base. Donc, nous voyons que la pandémie a
vraiment mis en exergue ces différences et a souligné comme il était important d'assurer ces biens essentiels aux gens. Alors je m'adresse au Steve Crown, représentant de qui est vice-président et conseiller juridique de Microsoft. Il représente une société qui est l'une des sociétés les plus riches et les plus avancées. C'est pour cela que je voudrais lui demander maintenant quelles sont les tendances qu'il remarque et quels sont les dangers qui sont apparus, en particulier dans le contexte de la pandémie. Merci beaucoup. Bien content d'être avec vous dans cette conférence. Je voulais venir à Katowice en personne, mais malheureusement, dans la dernière semaine, il y a 10 jours, j'ai dû changer mes plans. Ma perspective est une perspective d'une personne qui travaille dans une des plus importantes entreprises technologiques. Et comme nous l'avons entendu ici, nous devons réfléchir à ce qu'est notre situation présente et de quoi elle va l'air dans le passé. Nous voyons bien sûr que ces tendances auxquelles nous avons affaire aujourd'hui sont des tendances qui se développaient depuis déjà un certain temps. Nous avons les grandes entreprises technologiques, l'Internet mondial et les acteurs présents dans ce domaine essayent de respecter les droits de l'homme, essayent de coopérer aussi avec des organisations comme l'ONU. Donc un dialogue est en cours avec les grandes entreprises technologiques pour les inciter à respecter les directives de base et les recommandations concernant les enjeux technologiques dans le cadre de cet Internet qui est mondial. Maintenant, nous nous concentrons beaucoup plus sur les questions sociales. Donc, nous devons réfléchir à savoir pourquoi les sociétés fonctionnent de la manière dont elles fonctionnent et comment elles devraient fonctionner. Pourquoi certaines entreprises existent dans le format dans lequel elles existent et est-ce qu'on devrait ce type d'activité maintenir dans le futur, sachant que en prenant en compte tous les dangers qui afférents. Nous devons donc réfléchir pour savoir comment, pourquoi les entreprises fonctionnent comme elles fonctionnent sur le marché. Alors ici, le professeur Colin Meyer de l'Université d'Oxford a essayé de répondre à cette question. Il a dit que les entreprises fonctionnent pour résoudre de manière rentable les problèmes auxquels ont affaire les gens dans le monde entier. Donc nous ne pouvons pas dire que les entreprises ne fonctionnent pas pour générer des bénéfices, parce que c'est leur objectif de base. Par contre, ça ne peut pas être uniquement le bénéfice. Les sociétés devraient aussi se concentrer sur la résolution des problèmes qu'affrontent les gens dans le monde. Et c'est comme ça que fonctionne Microsoft et d'autres entreprises technologiques aussi. Donc, nous devons nous souvenir qu'en ce qui concerne l'inclusion sociale, socio-économique, nous avons maintenant un changement d'optique. Ceci est lié à la pandémie du coronavirus. Nous devons donc suivre cette dynamique de changement et nous voyons que les attentes des citoyens sont beaucoup plus claires maintenant. Et de manière plus claire exprimée. Je pense que les participants de cet écosystème plus large, donc les activistes pour les droits de l'homme et les représentants des ONG, doivent veiller à poser les bonnes questions, mais aussi à participer dans la création de solutions. Donc, il ne s'agit donc pas que les sociétés technologiques proposent des solutions, mais de prendre une approche multilatérale pour que tout le monde soit impliqué dans le processus. Je pense donc que nous devrions tous nous concentrer sur une route vers un développement plus inclusif, y compris le développement technologique, de manière à ce que chacun ait accès au développement généré par les acteurs du marché. Ceci doit avoir lieu sur chaque continent, dans chaque communauté. Que nous parlions de villes ou
ou des terrains ruraux, que nous soyons au nord ou au sud, nous devons tous avoir un accès à des technologies avancées. Et ceci est un enjeu, car souvenons-nous, nous avons plusieurs milliards de personnes dans le monde. Il y a des personnes handicapées de manière différente, et nous devons agir de telle sorte à ce que les technologies leur soient accessibles. Souvenons-nous qu'il y a encore un autre enjeu, qui est tendance, c'est la neutralité carbone. Hein. Il s'agit de limiter notre trace carbone. Ça complique les choses encore plus. Et une autre complication sur la pandémie du coronavirus. Il va de soi que les sociétés pharmaceutiques et technologiques essayent de faire face à ce défi et de proposer des solutions et promouvoir la coopération au niveau mondial pour faire face à ces défis. Il faut souligner aussi les questions relatives à l'éducation. Souvenons-nous que dans la vie de la pandémie du coronavirus, beaucoup d'enfants ne peuvent pas aller à l'école. Et nous, chez Microsoft, nous essayons de travailler avec des associations à but non lucratif pour donner accès à des services numériques aussi à ces enfants qui ont été exclus quelque part, marginalisés, de manière à ce qu'aucun enfant ne soit laissé de côté, délaissé. J'aimerais encore une fois souligner la nécessité d'une coopération plus proche, multilatérale, qui impliquera aussi bien les gouvernements que les sociétés privées, mais aussi ceux qui représentent la voix de ces personnes qui ont certains besoins qu'il faut assouvir. Nous, chez Microsoft, nous essayons toujours de partir d'un point où nous essayons de satisfaire des besoins des hommes. Donc nous plaçons toujours l'homme au milieu. Et nous sommes que nous avons une responsabilité liée avec la nécessité d'assurer un accès maximisé à la nouvelle technologie. C'est comme ça que nous voyons notre rôle. Si nous voulons essayer de faire en sorte à ce que les gens ont plus sentiment de responsabilisation et qu'ils aient accès à des solutions de valeur. Si ce serait ça pour moi. Merci beaucoup. Des sujets divers et variés qui constituent le tronc de notre discussion d'aujourd'hui. Je suis très heureuse qu'ait été mentionné le fait que toute l'activité qui a lieu dans le cyberespace doit placer l'être humain au cœur, car nous sommes des humains, et lorsque nous parlons d'Internet, lorsque nous parlons d'un monde virtuel, eh bien, il s'agit d'un monde dans lequel évoluent des êtres humains. Donc ne faisons pas. Donc le monde réel, le monde virtuel, ça reste des mondes humains. Le changement climatique a également été évoqué. Ce que l'on fait lorsque l'on se prépare à ces changements. Nous avons parlé de la manière dont la technique peut servir l'homme. Je voudrais maintenant m'adresser à Jess. Steve a dit à quel point les solutions rentables étaient importantes pour les entreprises. Mais votre recherche à vous n'est pas toujours rentable. Votre organisation, votre centre de recherche se concentre lui aussi sur l'appréciation, l'évaluation des solutions techniques qui doivent nous aider à créer des communautés, des réseaux humains. Comment améliorer le degré de conscience? Comment faire de la sensibilisation efficace auprès de ceux qui prennent les décisions? Quelle tendance observez-vous en la matière? Merci beaucoup. Il me semble qu'il est bon de commencer par les aspects transparence. Je pense que c'est le point de départ de nos discussions sur des changements positifs. Commençons donc par dire qu'Internet peut contribuer
à plus de transparence autour de tout un ensemble de sujets. Il ne fait aucun doute, en effet, que lorsque l'on dit qu'il y a de par le monde des gens dont l'accès à Internet est particulièrement limité, eh bien, il nous manque encore et toujours de la transparence lors de ces discussions concernant les inégalités. Cette inégalité pour ce qui est justement de l'accès aux services techniques et aux divers services traditionnels qui sont accessibles maintenant sur Internet, via Internet. Donc, transparence, la transparence est importante, sans être suffisante toutefois. Lorsque l'on parle de prendre des décisions au niveau des organes qui mettent en application, qui font entrer en vigueur de nouvelles politiques, il est important d'avoir conscience de la manière dont des nuances qui existent entre tous ces aspects. Certains décideurs parlent d'ores et déjà d'un gouffre numérique et commencent dès aujourd'hui à commenter divers aspects qui ont été exacerbés par la pandémie de Covid-19 et essaient d'œuvrer à la transformation numérique, essaient de faire en sorte que de plus grands budgets soient disponibles. Donc certains décideurs sont largement sensibilisés. Il n'en reste pas moins que parfois c'est une approche qui montre certaines limites. Parfois, par exemple, il s'agit uniquement de faire en sorte qu'Internet atteigne des zones où il était absent, où il a été absent jusqu'ici. On oublie souvent une chose, c'est que ce n'est qu'en assurant des infrastructures, que assurer les infrastructures ne suffit pas pour faire en sorte que les zones laissées sur le carreau bien longtemps puissent devenir des mégalopoles. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc il faut commencer par faire circuler les savoirs, par faire de la sensibilisation, par informer les gens, pour faire en sorte que les changements qui vont être mis à l'œuvre soient véritablement positifs. Donc ça fait beaucoup de défis, si vous voulez, pour ce qui est de la manière dont on peut effectivement améliorer le niveau de conscience. Certaines de ces solutions ont été évoquées. Il faut voir comment on peut faire avancer les choses et voir de quelles diverses manières nous pourrions traiter les défis qui ont d'ores et déjà été identifiés et relevés, ainsi que ceux qui se profilent à l'horizon. Merci donc. Il est question principalement de transparence, n'est-ce pas? Effectivement, on observe aujourd'hui une tendance. Il est important de remarquer à quel point il est important que les plateformes numériques soient responsabilisées et qu'elles œuvrent pour le bien commun. Je voudrais maintenant m'adresser à Scott Campbell, qui est spécialiste en droits de l'homme et technique auprès des Nations Unies. Je voudrais que nous parlions avec vous, ou que vous parliez, des droits de l'homme, justement, de cette véritable révolution numérique. On dit que l'influence des sociétés technologiques est de plus en plus importante, l'influence qu'elles exercent sur notre quotidien et nos sociétés. Beaucoup de phénomènes délétères ont lieu sur Internet. Les droits de l'homme sont parfois violés, les droits des femmes, les droits des enfants, notamment. Certaines de nos études tendent à montrer qu'il va falloir nous pencher sur ces phénomènes, que ce soit dans le cadre du discours politique ou même du rôle des différentes institutions. Et la question que je voudrais vous poser est la suivante. Que se passe-t-il? Qu'a-t-il été fait ces dernières années en la matière? Merci beaucoup pour cette question. Merci beaucoup à tous les intervenants de ce colloque. Et merci pour ces remarques d'introduction, parce que c'était tellement exhaustif d'ailleurs que je n'ai plus grand-chose à dire. Ce n'est pas un reproche, mais votre introduction était particulièrement riche et pertinente. Mais
Effectivement, la transparence des activités est absolument cruciale. Je n'irai pas beaucoup plus avant dans les détails, mais j'essaierai tout de même d'essayer de cerner les raisons pour lesquelles, de plus en plus souvent, nous nourrissons certaines craintes à l'endroit et à cause des outils techniques tels qu'Internet et de ce qui s'y passe. Notamment, ces formes de violation des droits de l'homme que vous avez rapidement évoquées ne sont pas en elles-mêmes quelque chose de nouveau. Cela étant, la pandémie et la technique, deux choses complètement différentes, par ailleurs, ont fait que ces cas de violation des droits de l'homme sont devenus plus sensibles, plus faciles à remarquer. Une lumière a été jetée sur ces cas de violation des droits de l'homme. Il y a des groupes, on voit l'impact social et économique de la discrimination. Et on voit que certains groupes deviennent de plus en plus l'objet, les victimes d'abus en ligne. Et nous remarquons que ces populations marginalisées lors de crises économiques ou telles que la pandémie de Covid-19 jouissent des plus faibles ressources pour pouvoir se défendre. La pandémie de Covid-19 a fait que des inégalités préexistantes, certes, ont été creusées, ont été exacerbées. Aujourd'hui, nous remarquons très clairement, nous voyons ce qui arrive à ceux et celles qui ne sont pas en mesure de trouver un emploi via Internet. Donc la pandémie de Covid-19 a ravivé des craintes qui préexistaient fort justement, puisque les phénomènes qui les nourrissaient préexistaient. Pour ce qui est du respect des droits de l'homme, pour ce qui est des dangers qui en découlent, je dois dire que c'est pour nous un aspect absolument essentiel, car les droits de l'homme sont fondamentaux et sont une condition sine qua non à l'existence d'une démocratie pleine, entière et véritable. L'espace public, l'espace numérique public devient de moins en moins ouvert, de moins en moins inclusif, de moins en moins libre, depuis très récemment. C'est pourquoi je ne serai que très modérément optimiste aujourd'hui. Il nous faut effectivement nous pencher sur ces sujets. Je vais m'arrêter maintenant et je vais m'arrêter là pour l'instant, mais je reprendrai la parole volontiers plus tard si vous me le demandez. Merci Scott. Y a-t-il quelqu'un parmi les gens qui sont présents dans la salle qui voudrait poser une question? Vous pouvez lever la main, nous avons des micros qui peuvent circuler. Et de la même manière, si pour les gens qui nous suivent sur Zoom peuvent aussi poser des questions grâce à la messagerie instantanée. Scott, une question que je voudrais te poser. Pourrais-tu répondre plus précisément à la question de savoir ce que vous faites par le biais de votre programme ONU pour le respect des droits de l'homme dans le contexte de la technique? Parce qu'on a beaucoup parlé de la il serait bon de mentionner la confidentialité, le droit à la vie privée. Plus de détails, peut-être. Scott, merci. Effectivement, c'est un sujet dont nous nous occupons au jour le jour. Nous voyons ici de nouvelles possibilités de promotion on a des possibilités de promotion des régimes autoritaires sur Internet. Ça, c'est un phénomène qu'on a remarqué récemment. Nous remarquons que sur Internet, il y a effectivement des cas d'activité ou des symptômes d'activité particulièrement délétères et inquiétantes. Et puis, il y a les aspects sanitaires aussi. On a remarqué que les droits de l'homme étaient, sinon bafoués, au moins limités dans certains endroits du monde. C'est une tendance inquiétante que nous observons. De nombreuses craintes sanitaires sont sur Internet transformées, biaisées, et prennent la forme pathologique de mouvements démagogiques, pseudo-scientifiques,
Et tout cela est articulé, lié à une certaine dégénérescence politique, mais ça pose la question de la liberté d'expression sur Internet et celle du traitement des données. Grâce à l'utilisation des nouvelles techniques, nous pouvons avoir accès à des données, et le fait d'avoir accès à on a accès à des données et on a la possibilité de les traiter et de les traiter de manière malhonnête si on le souhaite. Nombre de nos réactions prises en mode urgence peuvent avoir des influences négatives, des conséquences négatives pour les droits de l'homme. Il est possible d'avoir des conséquences d'ailleurs pérennes sur la liberté d'expression, la liberté de transmettre et de distribuer des informations, la liberté d'exprimer ses opinions politiques, quelles qu'elles soient. Stara et Steve ont parlé de l'accès à l'éducation. Effectivement, dans le cadre des travaux de l'ONU, nous essayons de promouvoir une connectivité mondiale secteur par secteur, tout en contrecarrant l'exclusion numérique. Lorsqu'on est à part Internet, si vous voulez, dans certains contextes, s'il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'éducation. Merci. Je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main dans la salle. Essayons, je vous le propose, commençons par donner un contexte un peu général. Il y a un rapport annuel qui a été publié aujourd'hui concernant les journalistes emprisonnés pour avoir fait leur travail. 93 individus. Gardons à l'esprit que la liberté d'expression est un droit fondamental et une condition sine qua non à toute démocratie, seule garante à long terme de la paix. Dans diverses contrées du monde, nous assistons à nous remarquons des symptômes d'extrémisme. Nous voyons que les grandes entreprises qui gèrent notre espace public peuvent influer sur des décisions politiques, comme Steve l'a dit, ce qui parfois peut avoir des conséquences négatives sur l'espace public. Et l'année écoulée l'a montré de manière tout à fait significative. Des études ont été menées sur ce qui est à l'œuvre, ce qui se passe sur un réseau social tel que Facebook. Ayant accès à ce type de données, là encore, c'est la question de transparence en fait qui se profile. Mais avant d'aller plus en profondeur sur ces détails, je voudrais donner la parole à la salle. Merci. Je viens de Gambie. Je suis content d'avoir la possibilité de poser une question. Et ma question sera la suivante. Que pensez-vous de la feuille de route sur la coopération numérique qui a été proposée par le secrétaire général? Ce document comporte des éléments essentiels et fait notamment référence à la question de l'inclusion numérique, notamment par rapport à ceux qui sont les plus démunis. Ma question est donc la suivante. De quelle manière, dans le cadre de la communauté internationale, pourrions-nous assurer une inclusion numérique à tous, et notamment aux plus nécessiteux, aux plus démunis, aux plus pauvres? Merci beaucoup. Nous allons demander une autre question. Nous allons répondre à une autre question. Nous allons voir ce qu'il y a sur la messagerie, parce qu'il y a des gens qui nous suivent sur Zoom. Amir? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous les intervenants et à tous ceux qui nous suivent. Chers collègues, mesdames et messieurs, avant tout, je voudrais remercier le gouvernement polonais d'avoir organisé cette édition du sommet IGF. L'organisation est d'ailleurs excellente. Le contexte n'était pas facile. Je vous en félicite. C'est un plaisir de pouvoir participer à cette session. Je m'appelle Amir Mokaberi.
Et la question que je vais poser concerne les droits de l'homme dans l'espace numérique. Nous avons affaire, dans une certaine mesure, à une cyberguerre. Il y a des attaques cybernétiques, il y a des dangers dans le cyberespace. Nous savons que ce type d'incident, des incidents de ce type ont lieu dans plusieurs pays. Je pense qu'une des solutions possibles serait de prendre des sanctions numériques d'un côté des... Mais en même temps, l'ennui, c'est que de telles sanctions peuvent être tout à fait... avoir des effets négatifs, non seulement pour les sanctionner, mais pour tout le monde, notamment en période de Covid-19. Ça peut bloquer des investissements aussi qui iraient justement dans les infrastructures numériques, des ressources IP, des systèmes DNS, accès au réseau, qui sont des valeurs fondamentales. Qui doivent être respectés si nous voulons atteindre nos objectifs de développement durable. Nous considérons par conséquent qu'il existe des droits absolument indiscutables, comme le droit au développement, le droit à l'éducation, le droit à l'entreprise, le droit à l'activité économique. Il y a même certains établissements d'éducation qui ont du mal à garder leur accès à des connaissances scientifiques. En Iran, par exemple, les entrepreneurs actifs sur Internet ont quelques problèmes parce que leur accès à Google ou à Apple est parfois limité. Pourquoi ? Parce que justement, il y a des sanctions qui ont été prises contre l'Iran. Mais les sanctions, elles devraient être prises contre le gouvernement iranien et pas contre les entrepreneurs iraniens. Donc comment est-ce que l'Organisation des Nations Unies, que pourrait K.A. dire l'ONU là-dessus ? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des normes qui nous permettraient justement de prendre des sanctions numériques ciblées plutôt que de sanctionner des... Vous voyez, plutôt que de sanctionner tout un pays avec tous ses citoyens et tout son tissu économique, on pourrait avoir quelque chose, une sorte de frappe chirurgicale, quelque chose de plus, qui nous permettrait de mettre la pression sur des gouvernements. Parce que ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on utilise des outils qui ne font qu'exacerber la discrimination contre les plus démunis dans certains pays. Je pense que dans le cadre des conclusions de ce sommet IGF, nous devrions aussi prendre une position par rapport à ce sujet. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de m'avoir donné la parole. Je vous remercie beaucoup pour cette voix. En effet, vous avez prononcé des remarques intéressantes concernant une question si intéressante. Nous parlons ici de sanctions. Selon nous que les sanctions, c'est quelque chose qui est mis sur des pays pour de manière intentionnelle. Ce n'est pas un débranchement d'Internet pour des questions techniques. C'est quelque chose qui est motivé par des décisions bien concrètes. Donc ici, il faudrait prendre en compte comment faut-il approcher ce type de sanctions qui peuvent mener à la limitation des droits de l'homme aussi, ou des droits tels que la liberté de la parole, de l'expression. Maintenant, je demanderai des intervenants de répondre à cette question. La première question concernant l'inclusion numérique, en particulier ce qui concerne les personnes dans situation difficile, et la deuxième question concernant les sanctions numériques. J'aimerais toutefois attirer l'attention sur encore un aspect, le rôle des sommets IGF. Posons la question, quel est le rôle que peut jouer l'activité dans le cadre de l'IGF quand il s'agit en particulier de la promotion des droits de l'homme? Sarah, d'abord. Merci beaucoup pour ces questions. Premièrement, je me réfère aux questions de services de base. J'aimerais mentionner l'éducation ici.
C'est un puzzle qui exige une coopération de plusieurs éléments. D'un côté, nous avons une bonne infrastructure, de bons services qui sont assurés. Et ces services doivent être abordables pour que les gens puissent y avoir accès. Tout ceci doit fonctionner ensemble, coopérer. Les personnes qui enseignent par Internet doivent avoir des compétences appropriées, doivent connaître l'utilisation de certains outils qui rendent l'accès sur Internet possible. C'est particulièrement important dans les pays en développement. Il faut travailler à ce que les éducateurs, les enseignants puissent acquérir de telles compétences. Donc, comme je dis, c'est un puzzle composé de beaucoup d'éléments. Maintenant, si je puis parler de ces cas de débranchement d'Internet, je crois que ces cas ont été, dans la majorité des cas, c'était motivé par des décisions prises par le gouvernement. Dans le cas de l'Ouganda, par exemple, c'était le cas. Tout le monde a été coupé. Donc nous devons vraiment faire appel tout le temps et souligner d'éviter ce type de situation de manière à ce que les gens puissent sans problème avoir accès aux services de base, car cet accès est limité. Donc nous devons sensibiliser et essayer d'agir pour assurer l'accès à Internet. Ça serait ça, mes premières remarques. Merci beaucoup, Sarah. Scott, je voudrais m'adresser à toi pour le sujet des sanctions dans le contexte de cette discussion. Et j'aimerais aussi te demander de bien vouloir nous faire part de ta vision du rôle que l'IGF peut jouer dans la promotion des droits de l'homme. Merci beaucoup. L'intervenant de Gambie a posé une excellente question. Car dans cette question, il a souligné combien l'inclusion est importante. L'inclusion, particulièrement des personnes dans des situations difficiles, des personnes qui sont mises en marge. Donc, on va prendre une bonne approche. Nous devons vérifier et suivre le respect des droits de l'homme. Nous devons aussi essayer d'améliorer l'inclusion numérique par le biais de nouvelles technologies. Donc ça, c'est un rôle à jouer pour les entreprises privées, mais aussi les administrations. Et je pense que ces deux groupes devraient travailler ensemble, enfin coopérer, et prendre en compte ces questions dans les actions qu'ils entreprennent sur Internet. On devrait aussi prendre en compte les conséquences d'actions concrètes mises en œuvre sur Internet en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Nous devons nous souvenir que chaque action sur Internet, par exemple, chaque produit qui on donne accès qui est accessible sur Internet peut avoir une influence négative sur les droits de l'homme. Ou le contraire, ça peut aider à inclure beaucoup plus une société qui était marginalisée, une communauté. Voilà une façon de favoriser l'inclusion. En ce qui concerne le rôle de l'IGF, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, parce que beaucoup de choses se passent en ce qui concerne les questions liées à la gestion Internet. Beaucoup de choses se passent au niveau des autorités nationales. On mène des travaux de réglementation qui doivent réguler l'activité dans l'espace numérique. Nous avons ces dernières années beaucoup de nouvelles lois qui se penchent justement sur ces questions. Donc les travaux sur ces lois continuent qui peuvent être un danger pour les droits de l'homme, qui peuvent mener à une fragmentation poussée de l'espace numérique. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Alors, tandis que je pense que l'IGF peut définir une direction et tracer un sentier qui va être ensuite suivi par d'autres parties intéressées par d'autres acteurs. Je pense que dans le cadre de l'IGF, nous devons faire appel à ce que l'espace numérique soit de plus en plus diversifié, de mieux en mieux accessible et sûr pour tout le monde. Je pense aussi qu'il sera important ce que Steve a dit, qu'il faut que l'homme soit au centre et les droits de l'homme aussi. Merci beaucoup.
Merci. Moi, je m'adresse à Steve. Nous avons souligné ici l'importance de l'inclusion. Il est difficile de parler d'inclusion de groupes sociaux qui sont présents dans des pays qui sont soumis aux sanctions numériques. Alors, quelle est ton opinion sur les sanctions du point de vue de ton point de vue en tant que représentant d'une société qui mène une activité qui est localisée aux États-Unis? Comment vois-tu ces questions? Je suis content qu'on m'ait posé cette question. Je parle ici sur la base de mes expériences que j'ai collectées pendant plus de 10 ans en travaillant chez Microsoft. Il faut se dire qu'il y a avant tout la loi internationale, la diplomatie, les contacts entre les gens, les actions sur l'arène ou sous l'égide de l'ONU. Et beaucoup de choses se passent sur cette arène. Et je pense que ce n'est pas les sociétés, les entreprises qui prennent ces décisions. Nous ne sommes pas par-dessus la loi. Nous travaillons dans le cadre de la loi. La loi nous concerne, du moins pour nous, Microsoft, et nous devons la respecter. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'activité de lobbying pour avoir une influence sur certains processus qui ont lieu. Notamment, nous parlons des représentants du Congrès des États-Unis. Donc, toute l'activité est menée. Mais ce n'est pas qu'une société américaine va dire à un gouvernement d'un pays ce qu'il doit faire par rapport à comment il traite ses citoyens. Nous n'avons pas ce pouvoir. Évidemment, la société Microsoft peut dire, eh bien, nous aimerions que l'on organise des actions à caractère de boycott de gouvernement dans certains pays pour agir en faveur des citoyens de ces pays. Mais nous n'avons pas ce pouvoir. Nous fonctionnons dans le cadre d'une législation, des législations, et nous devons prendre des actions, mais ça doit être des actions qui sont entreprises de manière responsable. Aussi, lorsque nous voulons agir pour les droits de l'homme. Nous pensons donc avant tout que le dialogue est un outil qui est beaucoup plus responsable et bien meilleur que l'adoption d'une position d'éviter tous ceux qui peuvent poser des problèmes. Nous ne pouvons pas fermer les yeux. Nous devons résoudre les questions par le dialogue. C'est là que le Forum de l'ONU est une bonne plateforme pour mener un tel dialogue. Je pense que nous tenons à nous engager dans ce type de discussion, promouvoir l'inclusion sociale aussi dans l'espace numérique. Nous essayons de lutter contre les dangers dans le cyberespace et de promouvoir la sécurité, mais nous savons que la situation n'est jamais idéale et qu'il reste toujours beaucoup de choses. En ce qui concerne nos dernières paroles, je vais me référer ici à la question des boycotts et des mécanismes qui rendent l'utilisation de certains services impossible. Je pense que on en a déjà parlé avec Scott. Il y a toujours des discussions à ce sujet dans le cadre de l'ONU. Certains droits nous sont garantis. L'un de ces droits est le droit à ne pas être soumis à un contrôle non conforme à la loi. Mais évidemment, il faut se souvenir que cette loi n'est toujours pas respectée, n'est pas toujours respectée. Nous devons réfléchir comment faire pour éviter ce type de danger et de quelle manière, de manière responsable, réagir à ce type de danger. Je pense que dans ce contexte, c'est bon de souligner quelque chose qui a été déjà mentionné ici, la transparence. Nous savons que toutes les décisions qui sont prises devraient être prises de manière plus transparente. Et ainsi, elles sont meilleures et plus responsables. Merci beaucoup, Steve, pour cette remarque. Oui, il y a plus de transparence. Nous en avons besoin et il est indispensable de réagir aux sanctions qui
qui survient dans le monde. Nous voyons aussi de quelle manière la technologie est utilisée, par exemple la technologie des médias sociaux qui est utilisée pour commencer des réseaux sociaux. J'ai vu des exemples à Myanmar, en Afghanistan, dans des endroits différents au monde où ces réseaux sociaux sont utilisés pour commencer des conflits, en fait, pour enflammer des conflits. Il serait difficile de dire quelles sont les politiques que devraient mener les entreprises technologiques pour avoir des directives claires. C'est une question très intéressante. Maintenant, j'aimerais que l'on permette aussi donner la parole à ceux qui nous écoutent. Bonjour, je suis représentant d'une société qui mène son activité en Grande-Bretagne, Chandra Technology. Et ma question concerne la responsabilité sociale des sociétés. De quelle manière le sommet IGF peut aider des sociétés telles la nôtre pour contribuer au développement des communautés locales? Y a-t-il une plateforme, par exemple, sur laquelle nous pouvons échanger les informations? Nous ne sommes pas aussi grands que Microsoft, ça va de soi. Nous sommes une société de taille moyenne, mais nous voudrions activement participer aux actions à caractère de responsabilité sociale. Y a-t-il une plateforme contrôlé en quelque sorte par l'IGF qui pourrait nous aider pour s'impliquer plus dans ce CSR, Corporate Social Responsibility, responsabilité sociale des entreprises. Nous viendrons à cette question et nous essaierons d'y répondre, mais avant, j'aimerais lire deux questions qui sont venues sur le chat. La première question est une question adressée à Scott. La question est la suivante. Est-ce que la pandémie de COVID-19 a empiré le contrôle ou l'espionnage, pour ainsi dire, des citoyens par les gouvernements, ou était-ce juste une prise de conscience? Alors maintenant, moi, je pense que ce contrôle devient une question de plus en plus importante dans nos discussions. Et un autre facteur qui limite les bénéfices qui viennent de nouvelles technologies, l'accès à Internet, j'aimerais que nos panélistes en parlent dans le contexte de protection des droits de l'homme. Nous savons que les publicités ciblées, le contrôle, ça c'est du pain quotidien sur Internet. Essayons de nous référer à ceci. Et avant de le faire, j'aimerais lire la question suivante. Non, on ne va pas le faire maintenant. Je m'adresse maintenant à Jess. Jess, en parlant de contrôle, que pouvons-nous faire pour qu'en améliorant l'accès à Internet et en travers sur la possibilité pour ne pas empirer, ne pas mener à un contrôle accru? Merci beaucoup pour cette question, aussi difficile qu'elle fut, aussi difficile fut-elle. Souvent, en temps de crise, il est plus facile de prendre ce type de décision. Il est plus facile de se dire, allez, je vais laisser le gouvernement connaître mes données personnelles telles que l'endroit où je me trouve, ma situation familiale, ma situation professionnelle, mon numéro de téléphone. En cas de danger, nous sommes plus à même d'accepter ce genre de choses. Il faut partir de ce principe-là. Ce sont des données que les gens sont plus propices à donner en temps de crise. Après, il faut être responsable et ne pas abuser de la situation. Quand on n'a pas de réseau téléphonique, les gens utilisent les réseaux sociaux pour placer des annonces, par exemple, pour dire j'ai besoin d'aide urgemment.
Je pense qu'il nous faut essayer de comprendre mieux encore ce qui se passe au niveau de la, du cyberespace lorsque quelqu'un a effectivement besoin d'aide et qu'un groupe pourrait réagir, voir comment on pourrait transmettre les informations et en même temps protéger les données personnelles de ceux qui demandent de l'aide. Pour ceux qui sont des réseaux sociaux, je pense que c'est très difficile dans le cas des réseaux sociaux. En temps de crise, lorsqu'on place un post sur les réseaux sociaux, ce qu'on demande, c'est de l'attention. Placer un post sur les réseaux sociaux, c'est toujours réclamer de l'attention. Mais en temps de crise, quand on est en danger de mort, c'est parfois demander l'attention de, des sauveteurs, de, d'une ambulance. C'est envoyer un signal très fort et très urgent. Notre rôle est de pondérer la situation, de faire en sorte que les informations arrivent à ceux qui en ont effectivement besoin et qui peuvent effectivement agir. Il s'agit de faire en sorte que ceux qui peuvent aider obtiennent les informations et ceux qui n'ont aucun besoin d'obtenir ces informations ou qui pourraient en abuser ne les obtiennent pas. Donc des sociétés technologiques pourraient ici contribuer à ce type de travaux, ainsi que des organisations à but non lucratif, diverses ONG, des associations ou des centres de recherche. Voir le monde universitaire. Là encore, il faut que ce soit un effort multilatéral. Bien, passons dans ce cas à Sarah. Sarah, quelles sont vos impressions? Quels sont les dangers que vous imaginez sur la route? Vous savez, moi, je pense que nous sommes en mesure, au fond, de faire quelque chose. Il y a de la résistance ici et là. Regardez WhatsApp. WhatsApp nous envoie souvent des messages qui nous disent en gros, si d'ici le temps vous n'acceptez pas telle ou telle règle d'utilisation, il va se passer ça, ça et ça. Alors, je sais pas, par exemple, si on ne refuse pas le règlement, eh bien, on va, à partir de là, transmettre nos données personnelles et le groupe pourra s'en servir, etc., etc. Je pense que ce sont des choses très simples dont on a besoin, juste des cas de résistance passive, ne serait-ce que cela. Couper la caméra, ou mettre un bout de scotch sur la caméra de manière à ne pas pouvoir être espionné. Ça peut être vraiment des réactions sociales comme ça, de la résistance passive et en même temps assez nette. Merci Sarah pour ce commentaire. Nous allons maintenant, je vais donner la parole à Scott. Scott, je voulais vous demander ce qu'il en était de votre point de vue de l'ONU, ce qui se passe au niveau du bureau du haut commissaire aux affaires des droits de l'homme. C'est aussi une question d'application, en fait, d'applications qui ont été mises en application et des applications qui ont été créées depuis tous anti-Covid. Et merci beaucoup pour cette question, parce que la question de la surveillance des citoyens par les États est un des sujets dont nous nous occupons. La pandémie de Covid-19, effectivement, a jeté une lumière toute particulière et sans précédent sur ces aspects. Nous avons remarqué une augmentation rapide de l'utilisation de ce type de technique de surveillance. Ça fait partie des conséquences de la pandémie. Ce matin, nous avons parlé nous avons mentionné le fait que de plus en plus consacré de plus en plus de temps aux discussions sur les techniques de surveillance des citoyens. Notre bureau a publié un rapport concernant la confidentialité, le droit à la vie privée. Et la surveillance généralisée. Le haut commissaire aux affaires des droits de l'homme nous a appelé, nous a intimé
faire appliquer des interdictions concernant les applications basées sur l'intelligence artificielle lorsque celles-ci violent les droits de l'homme. Et je pense que ce type de limite, c'est exactement ce qui doit être mis en application avant que nous ne réalisions, que nous ne menions des études de due diligence, que nous puissions arriver aux conclusions qui nous diront lesquelles de ces techniques pourraient effectivement avoir lieu d'être et lieu d'être utilisées. Il me semble que tant les entreprises technologiques que les entreprises qui sont hors secteur devraient mettre en application des règles de protection de la confidentialité de la vie privée. L'Organisation des Nations Unies entend être engagée dans ce processus, mais c'est également le cas des... Enfin, il faut que les organismes d'État se contribuent et également apportent leur part de travail, car ces techniques, on a besoin d'outils législatifs. Il faut apprécier, évaluer les choses par rapport aux éventuels cas de violation des droits de l'homme. Et lorsque de tels dangers seront, de tels cas seront identifiés, eh bien, il faudra mettre en application les mesures appropriées pour contrecarrer. Merci, Scott. Des remarques très intéressantes. Je soulignerai ici, je pense, deux d'entre elles, à savoir que pour l'instant, nous parlons de consignes plus que d'exigences réglementaires, d'exigences législatives vraiment claires et contraignantes. Il me semble que la technique en elle-même n'est pas quelque chose qui a vocation, voire même la possibilité de violer les droits de l'homme. Seuls des hommes peuvent violer les droits d'autres. Mais vous avez parlé de reconnaissance faciale, il y a des outils qui facilitent la chose. Lors de la pandémie de COVID-19, beaucoup d'applications de ce type ont été utilisées, mises en application, et effectivement, l'utilisation peut en être, pour ce qui est de la surveillance généralisée, ça, ce sont des systèmes qui peuvent mettre en danger la vie des individus, les données biométriques, le traitement de données biométriques, dans certains cas, on ne sait pas ce qui est fait d'ailleurs des informations par les gouvernements. Je voudrais donner la parole à ce titre à Steve, car nous avons observé la manière dont Google et Apple ont mis en application des systèmes de ce type servant à suivre la pandémie. Alors évidemment, c'était vertueux et c'était efficace, mais les mêmes techniques peuvent se servir à surveiller de manière généralisée tout dépend de la société. Et donc le fait que ces techniques existent ne suscite pas que l'enthousiasme du public, parce qu'il y a des craintes forcément qui sont nourries ici et là. Alors qu'en est-il exactement? Y a-t-il des raisons d'avoir peur pour la confidentialité, pour le droit à la vie privée? Qu'en pensez-vous et que faites-vous à ce sujet? C'est tout un ensemble de questions, en réalité. Je commencerai peut-être par dire que je n'ai pas contribué au développement de cette application dont vous avez parlé, mais il me semble que l'apparition d'applications n'implique pas forcément une absence de confiance, voire la défiance du public. Bien plus souvent, ce qui se passe, c'est que on est suspicieux envers les gouvernements. Je pense que les gens sont plus suspicieux envers les gouvernements, que leur défiance est plus envers les gouvernements qu'envers la technique. Après, quand une solution technique apparaît, on soupçonne le gouvernement de vouloir l'utiliser à mauvais escient. Il me semble qu'il est important de réglementer les manières d'utiliser les diverses techniques, les diverses applications. On en revient en fait à la question du contrat social.
qui est au centre de tout, en fait. Les bonnes réglementations, de bons cadres juridiques, sont toujours nécessaires. Il faut que la réglementation soit un processus conscient qui prenne en considération tant les inconvénients que les avantages. Il faut comprendre le mieux possible ce que sont les nouvelles techniques et ce qu'elles permettent. Pour ce qui est des consignes de l'ONU, je ne dirais pas que la faiblesse, c'est que ce ne sont pas des règles contraignantes. Ce sont des idées de règles, ce sont des consignes qui peuvent nous aider à savoir quoi faire quand justement on a un vide juridique. Donc moi je considère que ce sont des choses, tout ce qu'il y a de plus positif, et je suis heureux de voir que le secteur privé des entreprises technologiques coopère avec l'Organisation des Nations Unies. Je pense que lors de la pandémie de Covid-19, effectivement, nous avons tous pu observer la manière dont les gouvernements cherchaient à avoir un accès facilité, un accès plus généralisé à des données qu'auparavant nous ne leur donnions pas. Le but étant bien sûr de lutter contre la pandémie au moins dans un premier temps. Je dirais une chose d'une manière vraiment volontairement générale. Ce que nous avons observé ces 10 dernières années, et pas seulement ces 2 dernières années, mais ces 10 dernières années, 10, c'est qu'un monde sans anonymat. À une époque, quand quelqu'un me prenait en photo dans la rue, quand j'étais plus jeune, ça ne me faisait pas peur. Je ne me disais pas, ah bah tiens, il va me mettre sur les réseaux sociaux, quelqu'un va dire, ah oui, c'est machin, il s'appelle comme ci, comme ça, regardez, il est là, qu'est-ce qu'il fait ? Je me disais, quelqu'un aura ma photo, ou pas, s'il ne la fait pas développer. La technique a fait qu'effectivement, la réalité a changé, nous n'en sommes que plus défiants. Il est de plus en plus difficile, il est devenu peut-être même impossible de demeurer anonyme dans l'espace public. Je pense que nombreux sont ceux parmi nous à qui cela déplaît. Et j'en suis, vous savez, moi je ne suis sur aucun réseau social, justement parce que je nourris certaines craintes par rapport à ce qui pourrait en être de ma vie privée. Je n'ai pas envie que des gens que je ne connais pas sachent quoi que ce soit de ma vie privée. Je n'ai pas envie que le vide qui existe sur l'espace numérique aspire ma vie privée et en face quoi que ce soit. Donc, crédibilité technique. On a besoin que les actions, que les discussions soient basées sur des informations fiables, crédibles et sur un véritable savoir technique. Avant que nous ne commencions à faire de la réglementation vraie, contraignante, avec des cadres juridiques durs, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Steve. Et ceci nous amène à la deuxième partie de notre colloque, de ce débat. Nous allons donc passer au sujet qui est celui des stratégies possibles, potentielles, que nous pourrions adopter en matière de gouvernance lors de la session de préparation. Des aspects essentiels sont apparus, que nous devrions maintenant en discuter. C'est les gouvernements qui sont responsables de ce que les droits de l'homme se respectent. Évidemment, le secteur privé peut jouer un rôle, mais la responsabilité est sur les épaules de l'administration publique. Et c'est donc les gouvernements qui devraient, entre autres, coordonner ces efforts aussi dans la dimension internationale. En ce qui concerne les questions relatives à l'inclusion, j'aimerais référer à la question qui est apparue sur le chat qui concerne les personnes qui sont intérieurement exilées. Ces personnes qui... celles qui sont déplacées à cause des qui ont des problèmes dans leur pays, comment pourrait-on assurer leur inclusion numérique. Pendant la phase de préparation, on a dit qu'il serait bon d'avoir un document contraignant international
qui concernait l'utilisation des technologies numériques et des données en accord avec les cadres existants qui assurent le respect des droits de l'homme. Alors maintenant, j'aimerais demander à nos intervenants quelle est leur opinion au sujet de la création d'un tel document. Je m'affairerai aussi aux résultats de cette phase de préparation. Il faudrait qu'on réfléchisse s'il y a des obstacles qui pourraient rendre une telle coordination internationale difficile. Ces obstacles peuvent être des obstacles liés avec la concurrence sur le marché, mettons, entre les entreprises privées ou des questions relatives à la sécurité de l'État. Ce sont donc des questions auxquelles j'aimerais bien qu'on se réfère parce que c'est très important. Nous avons dit que la gestion d'Internet approche multilatérale. Ça peut avoir une influence sur la concurrence sur le marché, la sécurité des États. Comment donc assurer cette approche multilatérale à l'implication des différentes parties intéressées et que cette approche soit représentative. Comme nous avons dit dans notre discussion, il faut transformer les données de manière à ce que ça respecte les droits de l'homme, de manière à ce que les utilisateurs aient la certitude que, indépendamment de ce qu'ils feront sur Internet, leurs droits seront protégés. Je voulais aussi nous référer à la technologie qui soit responsable. Comment assurer que les personnes dans une situation particulièrement différente seront, que les droits de l'homme seront protégés? Les technologies se développent, les questions de sécurité et de respect des droits de l'homme doivent être prises en compte aussi dans le processus de développement technologique. Alors, je demande à mes intervenants de répondre à ces questions. Et ensuite, on va passer à la tournée suivante. Et après, on a le temps de poser des questions aussi sur Internet. Alors, d'abord, j'aimerais demander à Scott de répondre à cette question. Merci, Courtney. On va dire beaucoup à ce sujet, mais je commencerai par me référer aux dernières remarques qui concernent la conscience et le manque de conscience de confiance auxquelles nous avons affaire maintenant. Et je vais le relier à la question de transparence et de responsabilité. Nous avons parlé ici de ce que fait Google, de ce que font fait Apple pour ce qui est de la création d'une application qui suivrait le chemin par lequel se propage le virus. Et nous voyons bien qu'il y a peu de confiance envers les gouvernements et de moins en moins de confiance envers les acteurs privés. Je pense qu'il faut travailler à ce que cette confiance soit bâtie. Comment peut-on le faire? Justement, en assurant le respect des droits de l'homme et aussi pour assurer que tout ceci sera pris en compte à la création de nouveaux algorithmes. Il faut aussi veiller à ce que il y a la possibilité de décompter, de contrôler les créateurs de ces applications de façon à ce qu'elles puissent prendre responsabilité s'il y a quelque chose qui va mal. Si on parle de documents internationaux contraignants qu'il faudrait, ou normes standards qu'on pourrait élaborer, nous avons parlé des guidelines de l'ONU, mais les guidelines, c'est des lignes directrices, ce n'est pas un document contraignant comme mentionné. Dans les dernières années, les pays membres et la société civile ont essayé de faire en sorte à ce que ces directives non contraignantes deviennent un accord qui serait contraignant pour les pays et pour les parties qui. Mais par contre, on n'a pas encore réussi jusqu'à maintenant. Évidemment, les travaux sur la mise en œuvre de nouvelles réglementations sont en cours. Donc l'IGF a joué un rôle très important dans la création d'une approche multilatérale, donc la création de cadres dans lesquels on pourrait élaborer des supports, des outils qui assureraient l'inclusion et le respect des droits de l'homme dans notre activité.
Je pense que l'objectif devrait être que l'espace numérique soit le plus inclusif, accessible et ouvert. Je pense que c'est ça notre objectif. Et les droits de l'homme devraient toujours être au centre de cette discussion. Je rappelle encore une fois combien c'est important. Je pense que la réglementation devrait être bien réfléchie. Steve en a parlé aussi. Les réglementations qui ont été bien réfléchies peuvent cimenter les principes démocratiques. Par contre, si elles ne le sont pas, l'effet est tel qu'elles peuvent contribuer à une discrimination croissante et prévenir une meilleure inclusion numérique. Donc, je pense que les sommets tels que l'IGF ont un rôle très important à jouer dans ces discussions et les débats à ce sujet. J'aimerais aussi me référer à la responsabilité de la transparence en ce qui concerne le processus de prise de décision dans les sociétés privées, mais aussi dans le cadre des organes de l'administration publique. Une telle transparence doit être assurée à tous les niveaux. Merci beaucoup. Y a-t-il encore quelqu'un de nos intervenants qui voudrait se référer à ces remarques? Considérez-vous que qu'un document, un traité contraignant serait une solution? Je regarde Sarah, je regarde Jazz qui représente la société civile. Sarah représente la Fondation Mozilla. Et peut-être qu'elle pourrait se répondre du point de vue des organisations à but non lucratif. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'une solution serait prometteuse? Est-ce que c'est la bonne direction des actions? Oui, ça me paraît être un pas dans la bonne direction. Je pense qu'il est important que de telles rencontres multipartites aient lieu, qu'on comprenne bien la perspective de tous les acteurs qui sont impliqués. La situation est que très souvent, en ce qui concerne des questions importantes, il y a des discussions qui se déroulent, qui sont en cours, mais les gens ne parlent pas nécessairement la même langue. Ils n'ont pas forcément le même point de vue, puisque souvent ce sont des questions très complexes concernant la création de politiques. Chacun a ses intérêts à défendre. Il semblerait donc que chacun aura sa propre perspective qu'il faut prendre en compte dans de telles discussions. Sarah, qu'est-ce que tu en penses, toi? En effet, je suis d'accord avec Jazz. Cette question requiert une approche multilatérale. Ça ne peut pas être résolu par un groupe de gens ou une entreprise ou une autonomie locale. Non, c'est quelque chose pour lequel tous doivent contribuer. Okay. Cette approche multilatérale est bienvenue, aussi bien dans le cadre de l'IGF que plus largement. Nous devons assurer une telle approche à tous les niveaux. Aussi en ce qui concerne la création de nouvelles possibilités, de nouvelles technologies, nous devons utiliser les possibilités que nous offrent les différentes communautés. Nous devons impliquer toutes les parties intéressées de manière à ce que les technologies prennent en compte les intérêts de tous les groupes. Ce n'est que comme ça que les technologies seront inclusives et elles répondront aux besoins des communautés locales. Merci beaucoup. Je pense que c'est une approche intéressante, oui. Maintenant, je m'adresse à Steve. Il nous reste quelques minutes, à part deux minutes en fait. Mais je vois qu'il y a encore que des personnes de la salle qui voudraient intervenir. Nous avons une question de notre hub de Madagascar. C'est une question concernant l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle est propice à au respect des droits de l'homme ou pas? Alors, avant de demander à nos intervenants de répondre, je demanderai à Steve de bien vouloir présenter son opinion concernant les côtés positifs et négatifs de l'intelligence artificielle dans le contexte de la protection des droits de l'homme. Bonjour. Moi, je voudrais encore poser une question dans la salle. Je viens du Pakistan. Et j'aimerais dire que pendant la pandémie du coronavirus, l'utilisation d'Internet est devenue quelque chose d'indispensable.
Nous sommes en fait forcés d'utiliser Internet, par exemple afin de travailler à distance ou pour participer à des cours à l'école ou à l'université. Et dans cette période, nous avons remarqué qu'en même temps, il y a eu un nombre croissant d'attaques dans le cyberespace. Donc la cybercriminalité a fleuri, s'est épanouie pendant cette période. Nous voyons que dans ces différents pays, il n'y a pas les bons mécanismes qui nous sécuriseraient contre ce type d'activité. Souvenons-nous que la cybercriminalité, c'est une criminalité qui est par-dessus les frontières. C'est international, mais on ne fait pas grand-chose pour le prévenir. Les problèmes sont liés ne serait-ce qu'avec la collecte des données ou de preuves. Il y a des problèmes pour obtenir ces matériaux de la part des fournisseurs de services de réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on pourrait donc faire dans le cadre de la communauté autour de l'IGF? Merci beaucoup pour cette question au sud de la salle. Et nous avons encore une question concernant l'utilisation responsable des technologies. C'est une question qui vient du chat. Et encore une question supplémentaire de la salle. Oui, bonjour, je suis un élève de l'école de Częstochowa. Ma question est simple. À l'époque de la pandémie, à l'école, il faut qu'on porte des masques, de même qu'à l'école, à tous les endroits, dans tous les endroits publics. Et dans les écoles, les enseignants nous demandent de mettre les masques. Et souvent, nous disons que c'est une violation de nos droits. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Ça ne concerne pas entièrement le sujet dont nous traitons. Mais merci pour la prise de parole, je suis qui est des représentants de la jeunesse avec nous. Avant de passer à la synthèse, j'aimerais demander à nos intervenants de prendre position, surtout de répondre aux questions, surtout sur celles qui sont issues du chat, surtout celles qui disent qu'on a besoin de réglementation plus forte pour la cybercriminalité, la surveillance sur Internet. Avons-nous besoin de réglementation dure dans ce mode? Nous n'avons que 5 minutes, mais je pense que c'est une question qui est clé et qui nous permettra de formuler les conclusions qui découlent de nos débats ici dans le cadre de l'IGF. C'est à Steve notamment que je voudrais m'adresser. Steve, pouvez-vous nous décrire vos impressions et vos avis sur le sujet? Merci. Nous n'avons que très peu de temps, donc je serai très bref, mais je commenterai les aspects sécurité technique. Chez Microsoft, on s'en occupe justement. On s'occupe de ce genre de choses. Nous voulons que la technique soit responsable et dans le cadre des activités de notre... au sein de l'entreprise, nous avons un groupe de travail qui est le groupe de travail aux affaires liées à la responsabilité en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle. Et j'ai une collègue, une bonne amie qui s'occupe de ça très, très précisément. Et nous tenons à ce que les nouvelles techniques dont l'IA placent l'être humain et sa liberté au cœur des préoccupations de l'entreprise. Donc c'est oui, ça demande de la responsabilité. Ce matin, nous avons organisé une réunion à laquelle ont participé de nombreux collègues qui étaient intéressés par ces aspects, intéressés par la manière dont ces techniques sont mises au point et de la manière dont éventuellement ces techniques pourraient constituer un danger pour les droits de l'homme. Lorsqu'on parle d'ordinateurs qui apprennent, de même d'intelligence artificielle, la réaction humaine de commencer par avoir peur. Au lieu de penser aux bénéfices, on commence toujours par avoir peur. Mais posons-nous plutôt la question de savoir dans quelle mesure ça peut avoir des inconvénients et mais aussi des avantages. Nous sommes non seulement conscients mais actifs et nous ne sommes pas les seuls.
Il est important que de telles discussions se tiennent. Il est important que des discussions telles que celle-ci soient organisées non seulement ici, non seulement au sein des entreprises, mais aussi par d'autres parties prenantes, et je pense ici notamment aux scientifiques, aux centres de recherche, aux universités, parce que l'idée, c'est de faire en sorte que les techniques que nous mettons au point soit prise en considération et fasse l'objet de réflexions de diverses parties prenantes. Je voudrais ici aussi parler de textes juridiques contraignants, parce que notre position, c'est qu'effectivement, nous suivons de près ce que fait l'ONU. Nous apprécions les efforts réalisés par l'ONU pour ce qui est de la protection des droits de l'homme. Nous suivons ce processus de près, et je considère que c'est un processus, bien entendu, nécessaire, et dont nous ne pouvons que nous réjouir. Et pour ce qui est de notre approche, eh bien, je dirais qu'il y a une déclaration qui est satisfaisante, la déclaration des droits de l'homme. Je pense que c'est le meilleur des documents qui ait jamais vu le jour. Et je pense qu'il faut tout simplement, plutôt que rédiger de nouveaux textes juridiques, basons-nous sur ça, basons-nous sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, au lieu d'aller réinventer la Lune. Faisons en sorte que les droits de l'homme soient respectés plutôt que d'écrire de nouveaux textes. Nous sommes pour les réglementations. Mais être pour les réglementations, ça veut dire d'abord être pour que les réglementations soient respectées et pas forcément pour en écrire de nouvelles et écrire ad vitam aeternam. Pourquoi réinventer la roue alors qu'on a les droits de l'homme? Faisons respecter les droits de l'homme, respectons-les nous-mêmes et soyons conscients d'une chose, c'est que les droits de l'homme ont fait leurs preuves et que ce sont des droits dont les gens de par le monde veulent jouir. Merci. Beaucoup de choses à commenter. Je sais que vous n'aviez que peu de temps et vous avez été synthétique, mais aussi concis et intelligible. Je vous en remercie. Sarah, je voudrais vous demander à vous aussi de résumer notre discussion, ce que vous en tirez. J'aimerais aussi que vous évoquiez vos activités. Je sais que vous êtes très active sur le sujet. Eh bien, vous savez, je vais commencer justement par parler de Mozilla et de ce que fait Mozilla pour ce qui est de l'intelligence artificielle. Alors, en un mot commençant, nous essayons de promouvoir des mécanismes d'intelligence artificielle qui puissent être bénéfiques et pas délétères. Il y a beaucoup d'aspects essentiels qui entrent ici en jeu, comme la protection de la vie privée, de la confidentialité, la transparence, l'ouverture, la confiance, la justice. Il s'agit de ce... Au lieu de dire aux usagers ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire, ce que nous voulons faire, c'est promouvoir des solutions plus systémiques, mises en application par des entreprises. Et Mozilla a mis en application plusieurs projets de ce type, ne serait-ce qu'en coopération avec YouTube ou avec Venmo. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs, ou si vous vous souvenez, mais les données ont été mises en application par défaut sur certaines plateformes. Mais sur certains de nos travaux chez Mozilla, ça a changé. Les choses ont évolué. Nous avons mené des études transversales essayant de mieux comprendre qui utilise Internet dans les pays africains. Nous voulions en fait savoir quel était le sexe des usagers, si ces gens étaient plutôt très compétents numériquement ou moyennement, est-ce que c'était plutôt typiquement des étudiants en informatique ou pas, plutôt des laïcs. Vraiment, des études intéressantes. Il a à plusieurs reprises été dit que des discriminations étaient à l'œuvre, hein, des discriminations basées sur le sexe des gens à l'endroit des femmes. Oui, merci pour ces remarques, Sarah.
Mais comme vous dites, oui, plutôt que de se concentrer sur des comportements individuels, et nous devrions mettre en avant des solutions systémiques qui pourraient être mises en application au niveau international. C'est très bien dit. Et comme cela a déjà été dit aussi auparavant, il y a des traités internationaux qui pourraient être mieux utilisés dans le contexte de ce qui est de garantir le respect des droits de l'homme dans le cyberespace. Ma connexion n'est pas stable. Je voudrais, pour finir, dire que je suis très reconnaissante envers les organisateurs de cette session. J'aurai quelques remarques de synthèse que je voudrais transmettre par un autre canal. Merci beaucoup. Nous avons vraiment une image vivante, un exemple particulièrement évocateur de l'importance des questions de connectivité. Ici même, Scott, pourriez-vous ajouter quelque chose et commenter la question du besoin en traité, en réglementation, texte de loi contraignant, nouveau, peut-être, ou pas? Eh bien, merci. Je vais commencer par... J'ai surtout essayé d'être concis. La question de l'intelligence artificielle, comme nous le savons, implique des bénéfices, des avantages, ainsi que des inconvénients et des dangers. Le secrétariat général a récemment publié un rapport sur la manière dont, effectivement, la technique pouvait nous aider à atteindre les ODD plus rapidement, en intégrant mieux les sociétés, tout en impliquant certains dangers, certaines raisons de s'inquiéter. Alors, le prisme des droits de l'homme, c'est toujours celui à travers lequel il faut voir la situation lorsqu'on parle de réduire les dégâts découlant de l'utilisation des outils. Pour ce qui est des instruments juridiques contraignants, je suis d'accord pour dire une chose, c'est que nous avons besoin de consignes communes. Nous avons besoin de textes contraignants, certes, mais il faut que ceci soit mis au point, soit rédigé après mûre réflexion. Des discussions se sont tenues sur un nouveau traité concernant la cybercriminalité récemment. Eh bien, je pense que créer un nouveau traité pourrait être utile, effectivement, mais il existe un véritable risque qui est celui de réglementation prise dans l'urgence, rédigée dans l'urgence, ou sans connaître assez bien le sujet. Attention à la création, à la dérive législative, si vous voulez. Il faut surtout demander aux entreprises d'être plus responsables pour ce qui est de leur usage de la technique. Steve en a parlé. Quand on parle de responsabilité, de la responsabilité des entreprises, il faut d'abord définir ce que ça veut dire. C'est quoi être responsable? Ça veut dire quoi être éthique? Ça veut dire quoi faire des affaires en plaçant l'être humain au cœur de ses préoccupations? On le dit beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et vous allez dire que je suis têtu, mais moi je remettrai la Déclaration universelle des droits de l'homme au centre de tout, parce que c'est un texte qui est simple, qui est concis, que tout le monde connaît et qui est d'une immense valeur. Merci pour ce commentaire. Merci à tous les intervenants. Merci pour les questions qui ont été posées via la messagerie, mais aussi ici, physiquement, à l'ancienne, dans la salle à Katowice. Merci d'être venus à ceux qui sont ici. Merci de s'être connectés à ceux qui se sont connectés des quatre coins du monde. Une discussion fort intéressante. Lors de cette IGF, nos conclusions seront formulées sous la forme d'un rapport. De nombreux sujets ont été évoqués ici, des sujets divers, variés et complexes. Les droits de l'homme sont revenus à de nombreuses reprises. On pourrait y ajouter des choses plus modernes comme le droit à la confidentialité, le droit à la vie privée. Je crois que l'année à venir
nous verra connectés en permanence. Ne nous perdons pas de vue, restons en contact. Merci.